Alex, c'est un type facile d'accès. Il est près des gens. On sent chez lui vraiment une intimité, une complicité avec ceux qui l'entourent. C'est vraiment c'est un gars merveilleux. Ben, c'est en 2010 que l'aventure avec Alex a démarré. J'étais à la Chambre de commerce de Québec et il était présent. Et aujourd'hui, ben, nous sommes très heureux d'accompagner notre champion. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font du ski. Et c'est parce que Alex est là également pour en vanter les mérites, en illustrer les performances. Ça donne un message extrêmement positif à nos jeunes. Ça donne un message extrêmement utile aussi et efficace pour la société. Il n'y a pas une meilleure pub que celle-là, celle qui arrive au fil d'arrivée en gagnant et puis par la suite recevoir sa médaille. C'est vraiment inspirant. Et la dernière fois qu'on a tourné avec lui, il a vraiment tenu à te laisser un message. Salut Pierre-Carles, ben, je suis ici à TVA dans les studios. Merci vraiment du support. Je me souviens quand ça a commencé en 2011, sur le boulevard Champlain, notre annonce en ski à roulettes. J'étais surpris de voir à quel point tu étais téméraire sur les skis. C'est vraiment super de faire partie de cette famille-là. Ça me permet de focusser sur mon sport, sur la performance. Ça me permet de me battre à armes égales avec les Scandinaves, les Européens. Quelques mois avant les Jeux, ça me permet vraiment d'arriver là avec plein de confiance. Donc, merci beaucoup. Puis à bientôt. On lui souhaite de continuer donc la poursuite de ses rêves. Il n'est pas seul, évidemment. Toute la collectivité, toute la population du Québec est derrière lui et puis on lui souhaite le meilleur.